Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale, c'est avec toujours plaisir, Jean-Roubaix Jean-Noël, Jean-Roubaix Jean-Noël TV, nous présentons show qui a pour titre Haïti Perspective 2054. Jean-Roubaix, bonjour, comment est-ce? Et moi bien, Rénal, et vous-même, comment voyez? Nous là, Napkembe, et actualité internationale, là, nous connaissons deux bagailles. Action ou fait qui fait actualité internationale là, c'est question avion qui fait crash en la Russie, pour plus d'explications sur lui, et président Trump tout, qui que non seulement il est devant la justice, mais il y a une chance que il mène en prison, même le libérer sous caution. Donc, c'est deux faits international qui dominait et après d'entrer dans l'information locale. Comment ça y est, Jean? Bon, moi en forme, et salut à toutes et à tous. Et nous allons analyser, comme d'habitude, les conjonctures internationales et conjonctures nationales. Pour conjoncture internationale, nous avons deux faits que Rénal soutient à l'élaïo. Nous prenons le cas de Prigojine. C'est Youn Namoun qui était bras droit président Vladimir Poutine. Et c'est au retour de la guerre en Ukraine qui a gagné la bataille de Bakhmout et qui a gagné félicitations du président Poutine lui-même. Et M. Tengue a toujours une difficulté avec deux mondes qui sont en tête de l'armée. Hein? Il y a le ministre de la Défense qui est le Shoigu et puis le chef d'état-major qui est Rassimov. Et M. Tengue a toujours demandé, considéré l'extérieur comme des incompétents, et il demandait pour mettre les gens sur la terre. À ce qu'il paraît, il y a un règlement qui passait pour entrer tous les mercenaires dans l'armée. Et ça a été révolté, monsieur, il n'a pas voulu entrer sous contrôle l'armée en tant que groupe Wagner. Et c'est ainsi que le 24 juin, j'ai démené en rébellion contre le pouvoir en place, et en particulier contre deux mondes de cette cité-là. Et ça a été arrivé, monsieur, c'était ce qu'il a vu, les Rostov, qu'il était prêt sans coup férir, sans bataille. Il était avancé sur 780 km pour le tabac sous Moscou avec toute colonne blindée et tout le monde qui était avec lui, 25 000 hommes. Et il était stoppé, monsieur était arrêté sur un pont avant de traverser dans Moscou. Et il a fallu l'intervention du président de Biélorussie et qui pouvait lui-même discuter avec Poutine pour casser Fébaïsa pour coup de force là, pas de fait. Et depuis lors, nous avons dit son mort en suspens. Parce que Poutine, par contre, pardonne Moon. L'or attaque Vili. Parce que si on prend l'histoire Poutine, les faits qui caractérisent le pouvoir Poutine, là, démontrer que Poutine lui-même, il va en jouer. Tout le monde qui est avec Poutine, qui, ou c'est oligarque qui boit côté, qui tu sais, est opposant, des balles problème, l'a éliminé quand même. C'était une dizaine de monde qui étaient avec lui, l'éliminer toutes. Et il y a des défenestrés, et c'est des éliminations par poison. Ou bien encore des éliminations physiques qui sont terribles et que tout le monde connaît la méthode Poutine. Et Mounio a trouvé que son bagage qui n'est pas facile pour Poutine, t'a vraiment pardonné Prigojine pour ça le faire. Et Poutine a traité M. des traîtres depuis le samedi même, 24 juin. Et à ce moment-là, nous tous, en tant qu'analystes, nous avons dit M. sont morts en suspens. Et ça qui arrivait là, c'est que bon, M. est allé en Afrique dans ce moment-là. M. Devine prend la parole et puis après ça, nous tendons M. Devine Moscou. Nous par contre, si c'est négocié, M. Devine négocié avec l'équipe Poutine. Hein? Et Poutine, pendant Poutine, de l'autre réunion. Et M. lui-même, M. dans l'avion, il tapait côté sorti Moscou pour la Saint-Pétersbourg, côté M. était. Et bien là, à mi-chemin, et avion M. a explosé. M. a tout état-major, il a Wagner, tout mourit. Donc ce sont les faits. Donc voilà la situation, c'est comme ça s'est passé. Donc nous par contre, si on a fait des commentaires sur ça pour nous expliquer et comment M. disparaît, mais nous tous te connaissons M. Dab disparaît. Et déjà, Poutine a dit que toute traite a bien pour payer pour ça. Donc, c'est des jours que qu'on ferait ça. Même il y a l'autre monde qui était proche de Poutine, qui est compté. Et il a même dit, attention, si vous avez un côté qui a une fenêtre, pas approcher pour l'hôtel,
et en forme de dérision pour montrer que Poutine par l'avance leur lui considère comme traître ou trahi. On nous passer dans question président Trump. Et en exemple, dans justice États-Unis, Trump c'était un ancien président qui est en pile fanatique, mais Jean-Jules a dit, pas un traitement en faveur de Trump, il a prêté le même genre à tout le monde. Et c'est de ça que Trump est allé dans le tribunal, il fait faute dans prison, il fait faute, même Jacques n'importe le monde, et si vous l'avez, c'est sous caution. Qui sort qu'on est dans la question Trump, ça? Oh ben, l'essentiel là, Trump, c'est quatrième inculpation qu'il gagne dans toutes les mêlées avec la justice aux États-Unis. Donc, dernier, ça, c'est le plus terrible. Nous faisons une vidéo sur ça, moi-même, avec Jean-Victor Tobé, sous Jean-Robert Jean-Noël Zivi. Nous avons toute explication. Yo. Et nous pensons que ça, c'est le clou de tout problème chez Gagné. Parce qu'ils sont cas à côté, je demandais secrétaire d'État. Et Georgia, qui occupait les questions d'élection, pour déballer 11 000, plus que 11 000 voix pour le déclarer et changer cours et résultat élection 2020 contre Biden. Alors, tu as gagné un procureur qui était sous dossier ça, qui a analysé Ferro, qui est arrivé à un niveau de culpation de monsieur, c'est quatrième de ce genre, et monsieur a gagné 18 mouna avec lui qui est condamné. Et ils ont gagné pour entrer dans la prison. Et effectivement, on est aux États-Unis, et dans l'État de Géorgie à côté de Mia, et leur ils ont acquis comme ça, ou payé en caution pour pas entrer dans la prison. Donc, et monsieur lui-même, il paye en caution de 200 000 dollars, il est entré dans la prison quand même, il a fait photo de monsieur, tant que n'importe qui monde, et il seulement il va mettre la prisonnière à lit, et toute l'autre 18, il a fait photo au même genre, et il a même. Comme un bon blanc, tout est arrivé, payé comme caution pour ne pas arrêter la prison. Tu as passé seulement 20 minutes et en la prison pour faire toute formalité pour te tourner la Kylie, il paye 200 000 dollars. Giuliani, maire de New York, paye 150 000, il y a l'autre encore qui paye. Et puis, il y a un noir, la Dani, qui lui-même, c'est un fanatique Trump, il est noir pour Trump. Eh bien, monsieur, c'est seul monde, dans toutes 18 mounes, qui n'a pas de cob. Dans 19 mounes, il n'a pas de cob pour te payer. C'est seul monsieur qui domine la prison. Donc, vous, moun ki noua ki de chop, par contre, ça veut dire tout, parce que l'on va gagner l'argent, ou pas si vous gagnez l'argent, vous êtes un fanatique, mais pas aller trop loin, parce que l'on va victime pour contre. Mais ça, bon tout, c'est montrer que le système américain, si tu as une question de justice, pas une question de punité, des bruits qui veulent faire des actes, eh bien, pour payer les conséquences, c'est que nous allons gagner nous-mêmes en Haïti. En nous traverser Haïti, puisque yon a élément nous pas gagné, c'est la justice. Nous, ouais, crime a continué fait, président assassiné, avocat assassiné, simple citoyen a pas assassiné, et jusqu'à samedi à là, il y a un pile citoyen qui est victime en bas balle gang. Jean-Robert, comment situation ouais dans le pays d'Haïti? Bon, situation grave depuis la mort de Bette Dorval, qui a été assassinée le 28 août. Et donc, pratiquement, monsieur gagne un an là. Et il y a 3 ans depuis l'assassinat par la justice. Le président Jovenel gagne 2 ans par la justice. Donc, on a plein de règles de l'impunité. Et bien, l'on a une règle de l'impunité. Et bandit lui-même prend et possession pays à la mort. Parce que même yo connaît pas gagner, il va gagner justice, il va gagner qui va agir contre eux. C'est là sans ça qu'on est là ces derniers temps. Haïti tourne vraiment et un pays qui est où il y a deux départements, pratiquement département de l'Ouest et département de l'Artibonite, c'est sous les bandits oui. Et il y a un incident qui est plus grave qui passe dans la semaine là, c'est que vous gagnez un pasteur, il y a le pasteur Marco qui lui-même qui était un bon fidèle, qui était soi-disant par le fond bois calé sous mon canard, eh bien, ça arrivait, c'est que bon, bah, elle a dégénéré et il y a un pile de monde qui mourit. Et il y a un massacre qui fait là, et il y a un ami moi qui est le Timacel, qui est le contexte qui est très important, parce que faut au moins, et devant massacre ça, il faut gagner, la police était accompagnée de la manifestation, ça, pour éviter que Mounio allait à la boucherie comme ça. Et d'après les vidéos qui ont circulé et d'après quelques images qui sont insoutenables que moi,
y a près d'une dizaine de monde qui mourit. Et non seulement il y a des gens qui mourent, et bandits ont kidnappé au moins 10 ans encore, après au palais, et bandits ont fait vidéo à plaquer sur les réseaux sociaux là. Et c'est des vidéos qui sont insoutenables. Et Et quand Jean-Aubert même, il y a tabou qui est d'abnant, qui a dit, ouais, pas de connaître, c'est dans le gène. Il dit, là, quand on a un gène, sous un coup de pied, tabou qui a pas d'abnant. bon, je ne sais pas trouver ça, mais en tout cas, c'est des barrages qui sont vraiment tristes. Parce que c'est des situations que vraiment, l'abgadéo, mon cher, Et moi-même. quand t'as encore toujours Jean-Aubert qui dit, c'est l'aime mon abdou, on peut pas mourir. Et puis, elle dit, on ne peut pas mourir à toute ton bêtise, et puis, ou pas attendre voir mon encore. Ça dit, Bon. c'est des gens qui ont tué à foi. Ça Oui. dit, pas aucune loi humaine que groupe mondial sous domination. Ça dit, c'est la jungle. Bon, c'est là, il y a une raison qui fait. Pas oublier, c'est mode de bagage, ça, yo. Qui te fait ou te gagne bois caléa. Et moi, je suis persuadé, si la situation ça continue comme ça, et surtout, gens crime yo fait, yo, même gens, et communauté internationale, gouvernement, t'es indigné, les questions de bois caléa, y a ben mon caoutchouc, y a fait ceci, y a fait cela en public, parce que t'es filmé, yo, mais qu'on y a tout avec bandit, qu'on y a non seulement qui tuait, mais qui a filmé, mais qui a montré des bagailles et tout. Ça a montré tout comme si on a gagné une révolte. Même si la communauté internationale n'a pas réagi, vous dites ça a fait un pas bon. Même si le gouvernement n'a pas réagi, vous dites ça a fait un pas bon. J'ai fait laisser le peuple là, marcher pour un bon dit. Donc, moi, je pense que gagner et au point de nos retours qui atteignent là tout. Et que qu'on y a là et sacrifier là. Bon, c'est vrai, les cacas meilleurs de peuple là, mais même dans tout le cas, offenser là au point tel tout, qui fait que le peuple là qui apprend la rue. Et cette fois-ci, l'IPAP prend la région, te fait là avec question et prière, en même temps, tout le monde chien, tout le monde quelque chose, mais laisse ça, la polarité en bois calé, et laisse ça, et comme moi, dis déjà, innocent paye pour coupable, a bien pile bandit mourir, a bien pile monde mourir, a bien pile peuple mourir, mais il a fini par une solution. Parce que pas oublier, ou gagner plus de 11 millions de monde qui face à des bandits, qui représentait entre 3 000 et 16 000 communautés, il y a des chiffres qui étaient sortis. Donc, Mounio, quand il est arrivé, 11 millions ont accepté que c'est quitter 3 000, quitter 16 000, qui mettaient en défi, qui mettaient en déroute et qui a maltraité le constat et laisse ça, nous par contre, ça ne peut pas passer. Et c'est peut-être ça, si vous avez quelqu'un pour faire, la communauté internationale a venu, si vous avez pu faire pour renforcer la BPRF, que vous faites, parce que ça, moi, devant là, par contre, ça l'a bien, mais c'est pas mal qui a facile. Et encore, Jean-Aubert, c'est la responsabilité du pouvoir, du gouvernement, parce que le gouvernement est là pour assurer sécurité, bien et vie. Et on a un groupe de monde qui décide qu'il va chercher sécurité, et que pas gain aucune intervention des forces qui disent non, c'est pas rôle. États-Unis, par exemple, point, regardez où qu'on a entré la calle fait des gars. Ou obligé de la justice, et sous ta quitte la ka ou moun ale, ou al fait justice, la ka moun nan, ou al pote revanche, automatiquement, ou même qui victime nan, ou ap aller en prison, parce que y a des instances qui placées pour assurer sécurité et justice. Dans le cas Haïti, vous sentez que c'est le vide, et que même ça qui finit basé, vous attendez présence autorité. Bon, le problème qui vient, c'est que derrière ce petit Caradeux, Caradeux, c'est un côté qui est juste dans la zone tabac, pour remonter jusqu'à Nahan. Ça veut dire qu'ils ont fait tout le parcours, ça veut dire que la police était au moins accompagnée. Et ils ont annoncé l'intention qu'ils ne pas le faire. Donc, ils ont parlé des bandits canadiens, ils ont parlé des chefs bandits canadiens. Or, chefs bandits canadiens, quand ils sont venus, ils parlent pour eux, ils Dis-moi. tendent une embuscade, ils l'éliminent. Mais il élimine en pile là-dedans, il dit même pasteur a blessé, et d'après HPM, et c'est un média qui a de bonnes informations, donc même pasteur a blessé, et tout état-major pasteur a pratiquement mouru. Donc c'est des bagages graves qui ont passé dans le pays là, et au changer sur Jovenel, je te parlais des massacres ici, massacres là, et qu'on est là, je dis là, c'est des massacres qui ont fait. Et c'était une bataille qui a fait entre le groupe, j'étais Jovenel responsable et tout massacre ça. Et voilà qu'on est là, un pasteur
qui, après l'attaque, un groupe gang, et bah, à la fête, et qu'on a demandé de tout le monde qui est responsable. Parce que normalement, et gouvernement, là, pour mettre l'ordre dans des ordres, et qu'on est à bord. Comme gouvernement, son pas très lié, que c'est. C'est bandits qui ont mené, donc, par contre, ça ne peut pas passer, il y a une grande chose qui pas fait, mais la police est accompagnée dans un premier temps, à ce qu'il paraît, il est arrivé juste dans une île à voir avec eux, et de mon côté, à rentrer, à ce qu'il paraît, pas de possibilité de rentrer là pour marcher de la police à rentrer. La police s'est allée au milieu devant le bal Fali, et elle est arrivée dans le feu de l'action, côté bah, la TIA, même côté Kaïmoun, il y a eu l'IA, et bien, bon, ça a crié, il y a eu une embuscade, et puis il y a un pile qui mourit là-dedans, et nous, bah, il fait déjà. Bon, dizaines, peut-être plus, c'est une information qu'on va le confirmer un petit peu plus tard. Et il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux là, c'est des bagailles tristes. Et moi-même, par exemple, une sorte de révolte à l'intérieur de moi-même, et me penser que moi-même, qui est un monde qui modère, si ça dérange comme ça, j'ai l'impression tout, masse peuple haïtien tout, le gros du peuple, ça a dérangé en pile. Bon, peut-être par la peur, il faut tirer encore, parce que bon, Dieu parle pour eux, mais. Et à force que Bandi ou Paris pour tout, comme ça tout, yo même, go côté à privé, ils vont supporter encore toute Belgique est mordée, et les ça, va contre ça pas passer. Et le regard des problèmes, là, c'est Haïtien qui a détruit Haïtien. C'est Haïtien qui a détruit le pays. Yo. Et nous voyons que force Nations Unies, vous voyez, des représentants de Kenya sont entrés en NBIA. Dans le premier temps, ils parlaient d'une force statique. Et leur arrivée à Washington, et dans Nations Unies, non, pas Washington, New York, ils parlaient d'une force opérationnelle. D'un côté, tu as une hésitation. Puisque c'est Haïtien, Haïtien, c'est l'autorité haïtienne qui va prendre responsabilité. C'est bandit qui a boumé avec population, imposé le monde vivre. Et comment comprendre deux paroles ça? Bon, moi-même, pas gagné information officielle et qui dit, bon, il était parlé de force statique, et puis, moi, je m'entendais tellement, il parlait de force opérationnelle, d'ailleurs, on a fait l'institution de ça, de commission, ça se fait en Haïti. Et Oui. si c'était en force statique qui t'a venu, d'après les premières informations, et rumeurs qui étaient sorties pour venir protéger les bâtiments de l'État, etc., c'est une plaisanterie. Nous, notre situation d'insécurité est. C'est le Premier ministre lui-même, en octobre 2022, qui a sollicité l'appui de l'ONU pour aider à résoudre le problème et insécurité qui est dans le pays. Donc, il va parler de questions de force statique, on ne devait pas logique. Et donc, maintenant, là, on parle de force opérationnelle, il peut sentir la logique, ça me pensait. Et pas oublier, les goûters restaient venus dernièrement, nous avons fait une vidéo sur ça, nous avons fait une bonne émission, bon show, et nous avons parlé de goûters, il a parlé de force multinationale robuste. Et actuellement, il y a un général américain, et c'est un reportage, c'est un show moi, ouais, avec Abner Gélin sous HPM, côté qui lui-même qui dit que les situations haïtiennes ont demandé une intervention américaine, et que c'est américain qui connaît exactement le problème haïtien, qui bien expliqué l'histoire d'Haïti, lui remonter le temps pour qu'il explique qui ça nous gagne comme problème jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et monsieur dit que. Moun qui a résolu le problème là, c'est les Américains, c'est l'armée américaine. Donc, et M. Barre, un paquet de pistes, un paquet d'informations. Donc, moi, pensais que, moi-même, tout, moi, pensais que c'est une solution qui t'a plus bon pour ta faire. Et à moins que vous-même, vous gagnez l'autre bagarre en tête, tout, et pour ta gagner vraiment une intervention américaine et de l'armée américaine, ou tout au moins en information. Et en intervention avec des cadres haïtiens qui dans l'armée américaine, qui ont un dossier, hein, qui sont capables de cap aller à bord un petit peu plus sous ou pencher pour nous aller dans PISA. Bon, je pense que Jean-Robert, j'ai un problème à présenter. D'un côté, mon dossier étranger, on parle d'étranger. D'un côté, nous pas qu'à résoudre le problème, non? L'État est intéressant que nous gagnons dans l'armée étrangère, gagnons haïtien dans l'armée américaine, l'armée canadienne, l'armée française, et au grand pile haïtien retraité, et au gain des anciens soldats, puisque ils ont pas appelé des étrangers, vous dites étrangers. Et qui vient à rentrer sous pile sol la question de souveraineté. Et il reconnaît le problème dans son problème haïtien lié. Et c'est haïtien pour résoudre. Donc c'est des haïtiens qui ont détruit propre haïtien pareil. Et même s'il y a des groupes d'haïtiens qui connaissent les armes, soit qui ont expérience dans l'armée, ou encore qui sont actifs, qui veulent participer, et il y a des groupes d'haïtiens
qui entre dans le pays, moi, je pense que l'État, bon, le ça, nous a dit que c'est Haïtien qui a résolu le problème haïtien, même là, nous avons des supports en termes de matériel, etc. Puisque c'est des Haïtiens qui ont détruit Haïtiens, et bien, si tu as une force qui forme des Haïtiens, qui croit ses responsabilités, il n'y a pas qu'à qui conseille de l'autre monde, décider de tête, ces bandits, et bien, il a détruit de propres citoyens en dans pays. Moi, je pense que c'est une meilleure solution que le problème, non, les résoudre à l'Haïtienne avec des Haïtiens qui pour freiner l'autre Haïtien qui a fait des autres en pays. Bon, moi-même, j'ai discuté ça avec mon ami matin, j'ai parlé ça avec vous en free code. Je pense qu'il y a des Haïtiens qui font carrière dans l'armée américaine et qui eux-mêmes qui très préoccupés par ce qui a passé. Hein. Et nous connaissons tous des Haïtiens actuellement qui sont actifs dans l'armée américaine et nous pensons qu'il est important pour. Haïtien ça yo, si il s'est pas posé problème avec l'ONU et ça pas posé problème avec l'armée américaine, puis comme le général l'a dit, c'est un problème que c'est seul et américain qui a résolu. À ce moment-là, tu as fait un corps très sérieux et puis tu as venu et sous mandat de l'ONU et tu as venu résoudre le problème ça parce que le problème a dépassé la police nationale, il a dépassé l'armée d'Haïti que n'a pas sollicité trop tout. Et comme la mer va bien équipée, il va gagner le monde là-dedans. Mais laissez-moi, dans un premier temps, tout au moins, vous avez vraiment fait face à un bandit qui est bien armé, bien équipé, et qui a eu grâce ces derniers temps, qui vraiment a dépassé les bornes. Et vous avez des bails, il y a là, c'est défi total à l'État, et au même tout. Il n'y a pas un objectif politique, comme si vous voulez prendre le pouvoir directement, mais il y a. De fait, il y a régné et c'est eux qui décident qui s'est fait dans le pays. Donc, si vous avez besoin de résoudre le problème, là, vous parlez, mais le problème, c'est une révolte générale qui fait dans le pays par rapport avec Monsieur. Parce que Pabli nous dit, il y a des gens qui parlent de 3 000 bandits, il y a des gens qui parlent de 16 000. Mais quand vous parlez de 3 000, vous parlez de 16 000, vous parlez de population qui est oppressée qui est 11 millions. Donc, leur 11 millions, on a réagi. Ou par contre, Haïtien qui ça l'ensemble. Même si j'ai réagi pour te faire indépendance là. Si on bande esclave qui te battent en série de blancs, bien armés, bien équipés, Haïtien qu'on est acquis de bois ballant, avec Wesley, avec Manchette, il arrive et tout, il fait ça, tout le monde attend pour faire ça, parce que lui-même, c'est lui qui subit plus. Quand il regarde les gens qui sont aujourd'hui, tout le monde qui a culotte, tout le monde qui a pantalon, tout le monde regarde, ouais, c'est malheureux. Donc, c'est eux-mêmes, ces gros peuples-là, qui subissent bah, ça. Donc, par contre, qui réaction a bien. Vous avez deux types de réactions. Vous avez des réactions de peuple, de peur, qui a fait la chute à la caillou. Mais vous avez une réaction, tout. Peur a vu trois petits, parce que toute belle gêne est mordée. Et là, ça, ils ont dit, bon, ça le fait. Comme nous déjà mourir déjà, mais vaut mieux que dans le mourir directement et en face de bandit. Et là, ça, nous connaît, en pile à mourir, mais en pile bandit, tout à mourir. Et il y a en pile monde. Qui des bandits et qui compte financer bandits et dans tout camp, dans le pouvoir, dans le face-pouvoir, dans le secteur privé, le secteur des affaires, et Mounsaou qui a subi tout, même bagaille ça. Donc, il y a peut-être raison ça, il est important pour nous résoudre le problème ça le plus rapidement possible. Et puis, nos politiciens, comme mettez de côté tout problème personnel, vous gagnez, puis regardez comment. Il n'y a qu'à mettre ensemble pour résoudre le problème ça. Parce que le problème haïtien est trop grave. On a parlé des questions politiques avec Poutine, avec ceci, avec cela, avec la Russie, pour dire qu'il n'y a pas de force multinationale. Ça, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut nous résoudre le problème là. Qui nous résout avec force multinationale, Bobus, qui nous résout à l'intérieur, il faut qu'il y ait une entente politique qui peut dire ça, OK, balle la finie. Et puis, on va continuer à agir comme ça. Et c'est en tant que politique ça, et irresponsabilité de l'autorité qui crée situation ça, et qui bat bandit l'attitude que de juin lui a développée, parce que d'un côté, les autorités y ont prouvé que irresponsable, incompétent, de l'autre côté, classe politique là, pas entendu. Et forme de Jobert, man, c'est vrai, il y a des non-journal d'appli, il y a des policiers qui ont pris formation de drone. Là où, et au Mexique, et il y a des militaires qui ont pris formation qu'on y a là,
qui quittent pays. Est-ce que c'est vrai? Et me dit, ouais, deux anciens militaires de l'armée américaine d'origine haïtienne, qui c'est dans le domaine technique très avancé, ils ont fait des drones spéciaux pour dévouer bah, la police, bah, le gouvernement. Ils ont dit, ils ont fait des démarches auprès du premier ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, ils n'ont pas occupé. Alors que c'est des drones qui ont fait spécial, puis ils ont fait l'État haïtien, gouvernement cadeau, dans quatre batailles, a fait contre banditisme. Donc, situation est confuse. Jean-Robert, n'a pas suivi. Et quel est le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, comme nous, dans le cadre des émissions Horizon 2054, nous avons besoin de problèmes à résoudre pour nous ajouter base 2054. Et vision 2054, là, il faut que nous aboutions à l'île. Pour nous aboutir à l'île, il faut nous commencer aujourd'hui. Nous avons répété tête nous là, mais il faut nous commencer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas quitter le déjeuner comme ça. Et il faut que nous ayons une réaction par rapport à la question de la sécurité. Ça, et pour nous résoudre le problème de la sécurité, pour qu'on mette le pays sur le développement. Or, pour mettre un pays à son développement, il y a une série d'actions qui vous prennent. En action, ça, il faut chiter sur un plan. En plan, ça, il est éparpillé, il y a un paquet d'informations à droite à gauche. Et il faut nous chiter, qu'on a nous mettre toutes les informations ça, ensemble et pour nous garder à partir de ça, qui ça nous va le faire avec le pays, pour nous créer un emploi, pour nous faire une série de bagages. Parallèlement, nous avons résolu le problème banditif. Son travail complexe, résoudre le problème banditif, lancer le programme de développement. Et organiser le pays et mettre les structures en place, tout ça m'a dit vraiment un plan sérieux, un plan complexe qui m'a dit non seulement appuyer nous toutes et appuyer international pour nous rejoindre et faire Haïti pays nouvelé lien, un pays phare du monde en 2054, un pays dans démocratie solidaire qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et c'est ça qui est à la base problème de la aujourd'hui, qui crée banditisme et tout le bagage parce que l'écart est trop grand. Il faut nous chercher moyen de résoudre le problème ça et dans le cadre et vision 2054 là. Nous venons faire émission et bien et content j'avoue abordé là chita ensemble chita ensemble les dit faut nous entendre nous sommes ensemble de points chaque nèg gen accompagne mais l'un parler entendre pour résoudre le problème donc classe politique là n'a pas de responsabilité monsieur qui n'a pouvoir n'a pas de responsabilité dans situation que n'a vive là bandi n'a pas de responsabilité qui permet population à souffrir. En attendant, nous jeunes, unité ça. En attendant que monsieur chita ensemble, moi et Jean-Aubert Jean-Noël, nous avons toujours suivi l'actualité internationale et nationale pour aider à comprendre. N'allez, nous dou à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.